Parfois sur certaines chaînes info, on peut jouer avec le feu et, et même parfois mordre le trait. Quand on donne la parole de manière exagérée aux antivax, c'est irresponsable. Il est journaliste et directeur de la rédaction de la Trimile du Dimanche, aujourd'hui Bruno Jeudy. Et face aux jeunes, bonjour. Bonjour. Alors merci d'être là, merci d'être notre invité. Avec plaisir. C'est une première ici dans cette cave, cave studio, n'est-ce pas ouais, ouais. Voilà, moi j'aurais une première question parce qu'effectivement, en fait, depuis le confinement, euh, les réseaux ont un peu explosé. C'est-à-dire que tout le monde a pris un peu son smartphone, tout le monde s'est un peu filmé. Et moi, la question que j'aimerais poser, c'est que est-ce que tout le monde peut s'improviser journaliste Et est-ce que aussi toutes les paroles se valent Parce que les réseaux, l'explosion des réseaux aussi a explosé le nombre de personnes qui ont pu s'exprimer librement. Donc est-ce que toutes les paroles se valent à cet égard alors d'abord, un tout le monde ne peut pas s'improviser journaliste, mais tout le monde peut ouais. prendre son smartphone et euh, euh, se, se, se penser, s'imaginer se, euh, journaliste ou en tous les cas euh, euh, intermédiateur en quelque sorte. Quoi. Mmh. Euh, être journaliste, c'est aussi. Euh, euh, Respecter un certain nombre de règles dans le métier. On est soumis à quelques règles qui peuvent d'ailleurs nous conduire tout droit en justice si on ne les respecte pas. Lesquelles, par exemple ben, Par exemple, euh, ne pas diffamer euh, une personne, euh, le ouais. respect de la, de la vie privée si on publie euh, des photos sans leur consentement, euh, euh, le délit d'injure. Enfin, il y a un certain nombre de, de délits qui sont réprimés par la loi de 1881 mmh. et qui font qu'on est obligé de respecter un certain nombre de règles. C'est la différence avec beaucoup de personnes qui s'expriment sur les réseaux sociaux et qui, en euh, enfreignent la loi que les journalistes ne peuvent pas enfreindre. C'est un petit peu une des différences et un des grands euh, angles morts euh, euh, des, euh, des réseaux sociaux. Mais après tout, euh, euh, on ne peut pas empêcher un Français, un habitant de ce pays, euh, de prendre son smartphone, euh, de s'imaginer journaliste. On ne pourra pas l'en empêcher. Donc euh, voilà, d'ailleurs, on est challengé aujourd'hui un petit peu euh, nous-mêmes comme journalistes. Mais après tout, pourquoi pas euh, Moi, j'ai commencé <laughs> ce métier à l'époque où je recevais du courrier, des belles lettres écrites à la main et euh, euh, des gens qui m'écrivaient pour dire tout le mal qu'ils pensaient de mes articles ou tout le bien qu'ils en pensaient. Aujourd'hui, ils prennent leur smartphone, euh, ils vont sur les réseaux sociaux, ils, vont et sur Twitter ils, et puis et ils vous insultent, ils vous injurient <laughs> ou vous félicitent euh, dans quelques cas, ce qui est très bien, mais ce qui n'est plutôt euh, pas souvent le cas. Parce qu'en France, on adore écouter les journalistes, mais surtout, on adore les détester. Donc, euh, mmh. voilà. Mais après tout, pourquoi pas euh, Est-ce que toutes les paroles se valent je pense que d'abord, tout citoyen a le droit de s'exprimer. C'est la moindre des libertés. C'est notre chance de vivre, de vivre en France. Donc on ne peut pas dénier à quelqu'un le, le droit de s'exprimer. Après, non, toutes les paroles ne se valent pas. Il y a des gens par exemple qui sont des représentants de la nation. Donc je considère que les représentants de la nation, au fond, euh, on élit des personnes, on élit des maires, on élit des... Donc ils des ont plus légitimité, de légitimité. Ben, ils ont une légitimité à, à s'exprimer en notre nom. On est élus, donc ils s'expriment en notre nom. Donc moi, je, je ne sais pas qu'on n'a pas à les contester, parce qu'après tout, on a le droit aussi de se plaindre de ses élus, de les contester et de, et de ne pas voter pour eux la fois d'après. Mais mmh. euh, là, c'est une parole qui vaut un peu plus peut-être que la vôtre, la mienne. Euh, et je ne parle pas des, du, du président de la République. Euh, en France, on peut injurier quand on veut. Euh, mais en même temps, sa parole elle vaut un peu plus que la vôtre et la mienne jusqu'à temps qu'on le change s'il ne nous paie pas. Très bien, mais en, en tout cas, ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux que cette question peut se poser, parce que c'est vrai que par exemple, on voit sur les plateaux, on voit sur BFM, on voit sur CNews, que finalement, il y a beaucoup d'experts, il y a beaucoup de journalistes, où on se dit finalement qu'ils sont mis un peu sur un même pied d'égalité. Et à cet égard, est-ce que vraiment toutes les paroles aussi se valent également sur les plateaux et pas forcément que sur les réseaux Bon, c'est le grand retour de l'agora médiatique, au fond. Ah, mais c'est clair. C'est-à-dire que ça. le forum, l'agora, c'est quelque chose qui est très ancien, ça a plusieurs milliers, milliers d'années. Mm. Euh, Sauf que cette fois-ci, depuis quelques années, euh, ça a été un peu, euh, j'allais dire, euh, ça s'est institutionnalisé d'une autre manière avec euh, le numérique, avec les chaînes info, euh, voire euh, les radios euh, info, tout info, qui, qui ont commencé, ça a commencé par les radios autour des années 90. Et puis il y a eu les chaînes info autour des années 2000-2010. Et puis les réseaux sociaux euh, qui se sont répandus euh, à partir des années 2010 aussi, mais surtout des années 2020 et, et qui ont... Euh, euh, prospérer euh, avec le, le Covid parce que les gens se sont trouvés enfermés chez eux et ils ont trouvé cet exutoire pour pouvoir euh, s'exprimer, contester, vituperer, euh, mmh. euh, féliciter parfois, euh, encourager, euh, se réjouir, enfin, chaque, chacun euh, voyant midi à sa porte. Donc, oui, euh, euh, sur les plateaux télé, au fond, la parole d'un journaliste qui peut se considérer comme un expert de son domaine elle va valoir autant qu'un gilet jaune qui est allé contester pendant des semaines sur un rond-point. Ça mmh. a beaucoup choqué certains, ça a été beaucoup. Beaucoup reproché euh, aux médias euh, euh, mainstream je, comme BFM par exemple, ça ouais. été beaucoup contesté. Moi je crois qu'au fond, euh, cette contestation l'a entendu. Alors, est-ce qu'elle a été grossie par les médias C'était le grand procès qui a été fait par le pouvoir à l'époque. Euh, je, je, le, le fait est qu'elle existait cette contestation. Mmh. Donc, euh... Après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des analyses politiques, mais et on l'a Mais, mais On, on l'a aussi euh... vu pendant le, pendant le Covid où là on a plutôt entendu le très mauvais côté euh, de tout ça. C'est mmh. à dire que je pense que la parole d'un médecin, d'un d'un virologue, d'un infectiologue, elle vaut plus que la parole d'un qui de la rue qui tout à coup s'approprie médecin, euh, voire spécialiste des vaccins. Là, on est vraiment tombé dans n'importe quoi. Et donc là, là, il faut faire attention. C'est-à-dire que, pas. Enfin, euh, euh, il y, y a, une dérive qui va. Euh, on peut discuter, philosopher, euh, avoir des avis. Il y a des choses qui relèvent des faits. Mmh. Et les faits sont les faits il euh, y a un moment les faits s'imposent et si le, 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 la contestation par exemple de la crise climatique euh, aujourd'hui me paraît extrêmement grave mmh. donc là oui, là il y a des faits contester le GIEC comme je l'ai entendu dans la bouche de certains députés du Rassemblement National c'est quelque chose qui me paraît inadmissible mmh. mais après, et, qui, on... pas, et qui, pas, oui. euh, qui ne peut pas être relayé par des médias ouais. mais après on est d'accord que quand même sur certains plateaux sur BFM TV par exemple, sur CNews il y a toujours cette recherche de la phrase choc en fait, hein. C'est le buzz. Peu... Oui, voilà, le buzz. Et finalement, en fait, c'est quoi la responsabilité des médias dans la montée de certaines opinions radicales Elle est sans doute importante, mais au fond, le buzz, il est. Il est aujourd'hui plus spectaculaire parce qu'il y a les réseaux sociaux, peut-être les chaînes info, mais le buzz a toujours plus ou moins existé. Les, Tout à poli fait, mais bon, je les politiques ont euh, le sens de la formule depuis la, des, depuis la nuit des temps. Les médias ont leur responsabilité. Ouais. Les médias ne sont pas euh, globalement euh, toujours... Euh, y a, ils sont pas en permanence... Le, 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 le buzz, il est, euh, il est aussi alimenté par des personnes qui viennent sur les plateaux. Certes, elles sont invitées par les personnes, mais... Euh, encore une fois, euh, on n'est jamais obligé d'écouter, euh, d'abuser, d'écouter 10 heures par jour euh, des chaînes infos, euh, si d'être sur les ça. réseaux sociaux 10 heures par jour. Tout mmh. ça n'est pas raisonnable. Tout ça n'est pas raisonnable, encore une fois. Euh, donc, euh, on n'empêchera jamais euh, quelqu'un de faire le buzz, on n'empêchera jamais un politique de vouloir trouver la bonne formule pour, euh, euh, pour prendre le dessus euh, face à un adversaire, on n'empêchera jamais euh, euh, une, une personnalité de trouver le bon mot pour euh, prendre le dessus dans un, dans un débat. Et le débat, c'est l'essence même de la vie en société. Après, il doit être civilisé, et c'est là peut-être, je vous accorde, que euh, parfois euh, sur les réseaux sociaux, voire parfois sur certaines chaînes infos, euh, on peut jouer avec le feu et, et même parfois euh, mordre le trait quand on donne la parole de manière exagérée aux antivax. Je pense que c'est euh, une responsabilité euh, des médias, c'est bon, prendre une responsabilité qui me paraît parole. extrêmement euh, c'est irresponsable. Ok, mais justement, si on remet un peu dans le contexte, euh, l'arrivée de Geoffroy Lejeune euh, à la rédaction euh, du JDD, est-ce que justement, euh, dans ce contexte-là, parce qu'effectivement, euh, Geoffroy Lejeune, ancien valeur actuelle, donc euh, opinion radicale, en tout cas plus radicale au JDD, est-ce que c'est dans ce contexte-là aussi qu'a été créée euh, la tribune du dimanche Est-ce que c'est est là pour euh, marcher en contre-pied finalement Oui et non. Euh, – Non, parce que c'est un projet que Jean-Christophe Tortora, qui est le président de la Tribune, avait en tête depuis un certain temps. – D'accord. – C'était plutôt euh... un journal. Avant, il envisageait de créer un journal week-end, une offre éditoriale autour du week-end. La Tribune est un, okay. est un vieux titre qui a 40 ans. Il voulait créer une offre éditoriale autour du week-end, comme il y a les échos week-end, qui est mmh. le concurrent de, de la Tribune. Mais euh, c'était à l'époque une petite structure, et il n'avait pas euh, forcément les, 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 les fonds nécessaires pour… Euh, créer une offre week-end et comme le, le journal a été racheté à l'été par un nouvel actionnaire qui s'appelle Rodolphe Saadé, propriétaire président de CMA CGM, okay. Là, à ce moment-là, il a été décidé de travailler sur cette offre week-end. Elle a été affinée effectivement avec la crise qui a traversé le JDD l'été dernier. Le, le, le projet s'est déplacé d'un projet week-end à un projet dimanche qui m'a été confié fin, fin juillet okay. pour être réalisé et, et mis en place le 8 octobre. Bon. Et comment on lance justement un journal comme ça Quand on sait qu'une concurrence existe, par exemple, comme le journal du dimanche. Alors d'abord, on se préoccupe euh, pas trop de la concurrence. On se préoccupe d'abord du projet en soi. Pourquoi okay. on fait ce projet euh, Qu'est-ce qu'on veut y mettre dedans Donc on a un projet éditorial qu'il faut bâtir. On a euh, le choix aussi de le faire sur papier ou pas sur papier. On a fait le choix du, du papier, donc euh, d'un journal imprimé. Mmh. On faut choisir aussi un format. On a choisi un grand format plutôt qu'un petit format. On a choisi aussi euh, des rubriques, euh, pas d'autres. Euh, on a choisi aussi euh, de faire un journal qui est pour moitié consacré à la culture euh, et pour moitié consacré à l'actualité euh, générale, généraliste. On a fait euh, euh, un journal qui donne beaucoup euh, la parole à, euh, à des opinions diversifiées dans un esprit de, de, de nuance euh, euh, républicaine. Mm. Euh, on a fait le choix d'avoir une page planète toutes les semaines parce qu'on considère que euh, la transition écologique, la crise climatique, elle est devant nous et que c'est essentiel et qu'il faut éclairer euh, nos, nos lecteurs sur cette question avec l'idée que nous, on, est, on a dépassé l'idée. Euh, on, on, on on ne publie pas de tribunes qui, euh, de, qui émanent de, de climato-sceptiques. Nous, on pense qu'il faut regarder devant c'est comment on peut sauver notre planète, les initiatives qui sont prises, réfléchir, ouvrir les yeux sur euh, euh, la fin du modèle des stations de ski comme on l'a fait euh, cette semaine par exemple. Euh, euh, voilà, donc on, on est, on est euh, très concentré sur ces questions-là. On est aussi très ouvert sur des questions comme l'intelligence artificielle. On a okay. consacré un, un supplément de 12 pages il y a il y a trois semaines, euh, donc on essaie aussi de regarder beaucoup devant, alors évidemment il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup d'international mmh. il y a beaucoup d'économie, euh, mais il y a aussi beaucoup de culture euh, et de sujets euh, aussi détente, parce qu'on est le dimanche donc quand on fait un journal le dimanche euh, euh, on sert aussi des choses qui sont euh, agréables, avec aussi euh, l'idée Enfin ça, ça vient aussi un peu de mon parcours, d'avoir un journal très agréable à lire. Donc on, moi j'étais très exigeant sur la, la, la qualité d'écriture des, des journalistes qui collaborent à ce, à ce journal. Et justement comment on devient directeur de la rédaction euh, d'un journal comme ça C'est quoi le parcours type en fait Est-ce qu'il y a un parcours type même alors d'abord, ça relève totalement du. J'allais dire, ça m'est tombé dessus. j'avais pas du tout prévu de, de directeur d'un <laughs> journal. J'ai eu 60 ans euh, quelques jours avant que le journal se, se lance. Moi, j'ai une longue carrière de, de journaliste. Ça fait 35 ans que je suis journaliste. J'ai commencé dans la presse de province, à Ouest-France, pour ceux qui connaissent. Okay. Et puis ensuite, j'étais au Parisien, au Figaro, euh, euh, au Journal du Dimanche, dont j'ai été rédacteur en chef, euh, à Paris-Mad. J'ai fait de la télé, je fais encore de la télé. Mm. Et puis, moi, je voulais plutôt m'orienter uniquement vers euh, l'audiovisuel. Et puis, euh, Jean-Christophe Tortora m'avait demandé de faire un module euh, euh, au début de l'année. Je faisais une interview par semaine dans la tribune. Et puis, quand ils ont cherché un directeur, euh, il se trouve que moi, dans ma carrière, j'ai été... Euh, à le, j'ai été sur le premier numéro du Parisien dimanche en 1999. J'ai travaillé sept ans dans l'édition dominicale. Okay. Et ensuite, j'ai été cinq ans journal... rédacteur en chef du Journal du Dimanche. Donc, ah oui, donc du coup, on va vous dire, vous dire que vous êtes très dominical. J'ai travaillé coup. dans tous les journaux du Dimanche. <laughs> je dois être le seul à avoir, tra... à avoir travaillé dans tous les journaux euh, du Dimanche. Okay. Donc, euh, voilà, c'est une c'est une temporalité qui me qui me plaît bien et je pense savoir faire un journal euh, euh, dominical. D'accord. Et justement, c'est quoi le, vraiment le facteur qui a fait que vous vouliez en fait devenir journaliste? Que pourquoi je suis trop... devenu journaliste ouais, Alors voilà, Là encore, pourquoi... moi aussi, vous avez trouvé que je, suis... je ne fuis pas vos questions, mais là aussi, c'est un peu le hasard. Moi, j'ai pas du tout. Okay. Au départ, je n'ai pas fait des études de journaliste. J'ai commencé après mon bac, je voulais être prof d'histoire-géo, et puis bon, voilà, j'ai gentiment fait des études de géographie qui m'ont beaucoup plu, mais ouais. et ensuite, euh, bon, mes parents me disaient mais tu vas faire quoi Donc j'ai fait des études de gestion. Et en fait il s'est trouvé que le hasard A fait que j'ai poussé la, por la porte d'une rédaction De West France et j'ai fait quelques, quelques mmh. Piges et ensuite je me suis dit Faut faire une école donc j'ai fait une école de journalisme Et je suis rentré au Parisien D'accord. Et, surtout... et en fait, euh, le journaliste politique, c'est oui. venu comme ça. C'est-à-dire que j'ai fait un peu de tout. Des bureaux parisiens, vous faites un peu les faits divers, euh, la presse locale. J'ai un peu tout fait. Puis un jour, en fait, je me suis rendu compte que c'était le journaliste politique qui me plaisait. Et ensuite, je suis allé à fond sur ce sur ce journalisme politique. Mmh. J'ai écrit des livres, j'ai suivi toutes les campagnes présidentielles depuis 1995. Donc, c'est une vraie passion. Euh, et même si je n'étais pas devenu directeur, de la, directeur délégué de la rédaction de la Tribune Dimanche, je, je, je suis d'abord un journaliste politique. D'accord, bah justement, c'est une question qu'on avait posée à, à Paul Laroutureau qui était venu dans cette émission, euh, parce que journaliste politique également. Euh, c'est quoi votre souvenir en fait d'une campagne euh, en particulier Est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter euh, sur une campagne politique par exemple Bon, j'en ai plein de anecdotes, mais on va dire que il y a deux moments forts dans ma carrière qui sont liés aussi à ce métier. Bon, d'abord il y a la campagne de 2002. Moi, je suis dans le QG de Jacques Chirac quand euh, on, okay. apprend, qu on apprend qu'il euh, qu affrontera Jean-Marie Le Pen au second tour. Le fameux coup de tonnerre euh, du 21 avril 2002. Tout à fait. Je l'ai vraiment pris euh, en pleine poire parce que et j'ai même considéré quelque part que c'était un peu une faute professionnelle de ne pas avoir vu, de ne pas avoir senti plus tôt que Jean-Marie Le Pen serait au second parce tour. Parce qu'on le se sentait pas à l'époque. Mais en fait, même bizarrement, les sondages, et tout, euh... ben, les sondages bon. Aucun sondeur n'a montré que Jean-Marie Le Pen sera au second tour. Okay. L'histoire a été beaucoup réécrite par certains confrères et certains journaux. La réalité, c'est que personne ne l'a vu. Il y a eu une espèce de faute professionnelle collective de ne pas, peut-être, avoir été suffisamment curieux et pas avoir senti. On voyait bien que Jean-Marie Le Pen montait, mais on pensait quand même que Lionel Jospin s'en sortirait. La vérité, c'est qu'il s'en est pas sorti et, et que ça s'est joué à très peu de voix, mais il était, de il était derrière au terme d'une très mauvaise campagne pour Jospin et plutôt d'une campagne efficace pour, euh, pour Jean-Marie Le Pen. Et donc, ça, ça a été vraiment un énorme truc. Et d'autant hmm. plus que moi, j'écrivais un livre sur Chirac à okay. ce moment-là. Et j'étais avec ma collègue euh, qui suivait Jospin et, 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 et on a été désespérés cette soirée-là pas seulement parce que, je, parce que <laughs> Le Pen était au deuxième tour, mais surtout parce que notre livre était, était fichu et qu'on a dû, euh, en 15 jours, euh, réécrire un peu euh, le livre, reprendre une grande... Voilà, on a, on a été bien, bien embêté. Euh, voilà. Donc ça, c'est quand même un, voilà, un souvenir professionnel assez fort. Et on voit on voit les collaborateurs de Chirac, Villepin, dans l'escalier du tapis rouge, il s'appelait comme ça le QG, qui, qui viennent nous dire. C est, c est... Et donc nous, on savait à 18h, 18h30 que... Euh, que, que Le Pen était au deuxième tour. Euh... C'était quoi la réaction générale en fait de tout bah, ça alors, Nous on était un peu enfermés dans, dans la. Dans, les gens étaient, les, les militants étaient à l'extérieur, ouais. mais nous on était à l'intérieur et nous on savait, eux ils savaient pas, donc il y avait un côté. Puis il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout ça c'était très ah, différent oui. l'ambiance, il faut quand même bien se remettre dans cette. Et puis la deuxième chose que je dirais, mais ça c'est un souvenir qui a, eu, qui a été des meilleurs, on va dire. C'est pas un scoop, mais en tous les cas, un, un, un joli coup euh, pour le, le journal du dimanche. On a été le seul journal à, à imprimer, euh, à, à accrocher à la une, comme on disait à l'époque, euh, l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn euh, okay. en pleine nuit, euh, dans la nuit d'un samedi à un dimanche euh, à New York, euh, pris dans l'affaire euh, du, euh, du, du, de l'hôtel. Et, euh, et c'était une fierté de pouvoir l'accrocher à la une, de, de, de faire écrire un papier par un collègue qui était mmh. à New York. Euh, et, et en fait, ce, ce fait-là... Ce... Ce fait d'armes journalistiques, on l'a eu grâce à des jeunes du, du site internet euh, du JDD, à l'époque 2011 les réseaux sociaux ah ouais sont pas encore très développés, mais eux ils sont sur Twitter, je ne connais pas Twitter, à l'époque X maintenant, je okay. ne connais pas Twitter, et donc ils me disent ça, ils disent on voit ça, c'est vrai que c'était pas du tout développé. Comment eux ils l'ont su enfin, Parce qu'il y avait, y avait quelques tweets qui passaient de, 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 de français qui étaient à New York et qui savaient, okay. et, et après on s'est mis dans la nuit euh, et on a vu que les médias américains commençaient à embrayer là-dessus, donc on a pu l'accrocher en pleine nuit, on a arrêté l'imprimerie, on a refait un article, on a refait la une du journal, mmh. on a pu imprimer à 2h30 du matin euh, 80 000 exemplaires euh, vendus à Paris. C'était une vraie fierté de, de l'avoir accroché, euh, accroché en une. Après, j'ai eu plein de souvenirs professionnels, moi j'étais le seul journaliste qui accompagnait Nicolas Sarkozy lorsqu'il a appris euh, l'arrestation d'Yvan Colonna en Corse, okay. euh, donc ça m'a fait une belle petite info pour le journal, euh, et puis d'autres, hein, j'ai eu des reportages à match qui ont été euh, super. Euh, voilà, et puis après j'ai fait aussi des, des bonnes interviews à BFM euh, voilà, en, en, en horaire très exposé. Donc voilà, j'ai un peu vécu beaucoup de, beaucoup de choses, mais au fond, euh, le mieux c'est quand, quand même le terrain et, et finalement ce métier entre le faire dans les rues de Château-Gontier, dans ma ville natale, il y a 35 ans et, et à courir après les présidents de la République euh, partout dans le monde. Finalement, c'est toujours la même chose. C'est être au plus près, euh, au plus près du terrain, au plus près des faits pour les raconter. Voilà. Après, éditorialiste, c'est un autre métier. Y a le métier a beaucoup évolué, mmh. mais il faut rester attaché aux faits, rester attaché au terrain. C'est quand même ça la valeur du métier. Même si aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une remise en cause du journalisme, on voit bien qu'il y a une remise en cause des faits, on voit bien des médias qui, au fond, s'en fichent des faits et vous disent, euh, 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 disent c'est pas la vérité. Donc on voit bien le, 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 comment la société française est en train de se trumpiser avec euh, des médias qui, euh, qui, au fond, racontent leur vérité avant de raconter euh, les faits. D'accord, tout à fait. Mais vous savez, donc là, on est sur un média à destination des jeunes. Et justement, moi, j'aimerais terminer cette interview pour vous demander, en fait, quel conseil vous donneriez à un jeune qui veut se lancer dans le journalisme euh... Quelle est l'erreur à ne pas faire, par exemple De croire que c'est facile. <laughs> non, C'est très dur. Donc, c'est plus que juste avoir un portable et oui. filmer une information, etc. C'est d'abord euh, euh, vérifier ces informations. Ne pas raconter la rumeur, ne pas raconter le on dit, ne pas raconter on m'a dit que. C'est euh, euh, d'abord s'en tenir aux faits, recueillir les faits, les recouper et ensuite la donner. Et Parfois, il vaut mieux attendre une minute ou deux que dire n'importe quoi et balancer des erreurs. Ça peut arriver, ça arrive à tout le monde. Ah bah, L'affaire Xavier Dupont point de vue. Ça que... m'est arrivé. Donc euh, <laughs> je, je je mais bon voilà, donc ça c'est vraiment la première règle. Donc voilà, c'est donc, faire le métier sérieusement. C'est faire le métier sérieusement. Et donc, ça, faire le métier sérieusement, ça veut dire quand même euh, se donner du mal, aller vérifier, passer les coups de fil, chercher euh, euh, et ne pas se contenter de ce qu'on peut dire euh, sur tel site ou, ou, tel, euh, ou tel, euh, média, euh, tel média audiovisuel. Ça, c'est la, euh, la première des règles. Après, il faut être. Euh, il faut être très motivé, très résistant. Ouais. Euh, parce que ce n'est pas un métier très facile. Euh, on est, euh, est aujourd'hui beaucoup, encore plus qu'avant peut-être, beaucoup plus critiqué, beaucoup plus challengé, beaucoup plus mis en cause. Et on voit bien que euh, l'information le, le, est devenue euh, euh, un élément euh, fondamental du, 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 j'allais dire, de la survie de la démocratie. Moi je crois. Je crois vraiment à ça. L'indépendance des médias, l'information. Ça va être un élément essentiel pour la survie de, euh, la, survie de la démocratie. On voit bien comment aujourd'hui tout est remis en cause dans les, euh, dans les, dans les pays euh, qui ont été à euh, un moment dominés par des leaders euh, populistes. Le Brésil, les États-Unis, demain peut-être euh, euh, l'Argentine, euh, la Russie aujourd'hui. J'invite tous les gens à croire que, que, que c'est formidable de la vie dans certains de ces mmh. pays, euh, à regarder comment euh, se passe l'information. Merci Bruno, jeudi. Merci beaucoup de vous avoir accueilli.